Salut, c'est un moment bienveillant et je m'appelle Mike Pence. Voici un podcast où on partage 60 secondes d'inspiration pour vous aider à créer un monde plus gentil et plus doux pour tous. Nous pensons que la gentillesse doit être l'idée la plus chère au monde aujourd'hui. Donc, nous avons créé une émission qui ajoute une douce goutte de bonté dans l'océan de votre vie chaque jour. La volonté des hommes de minimiser les faiblesses et les douleurs est si forte qu'elle a été désignée comme un facteur expliquant leur durée de vie plus courte. Les 10 années de différence de longévité entre les hommes et les femmes n'ont pas grand-chose à voir avec les gènes. Les hommes attendent plus longtemps avant de reconnaître qu'ils sont malades, mettent plus de temps à obtenir de l'aide et une fois qu'ils reçoivent un traitement, ne le suivent pas assez bien que les femmes. Terence Real. Les tabous de la culture masculine inclut le partage des émotions ou de la vulnérabilité, qu'elles soient. Celles-ci sont considérées comme des faiblesses et la peur d'être exploitée à cause de ces faiblesses perçues nous maintenant dans l'isolement et le silence. Un mot bienveillant permet aux hommes de ressentir leurs émotions et de vivre longtemps et prospèrement. Merci de nous avoir rejoints. Ne doutez jamais, mes amis, que chacun est unique en son genre. J'espère que vous nous rejoindrez encore pour un peu de connexion, un petit sourire intérieur et une abondante portion d'espoir. Et rappelez-vous toujours qu'un mot bienveillant peut te changer. À la prochaine!